بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Cette ville honorée abrite la Kaaba, qualifiée dans le Saint-Coran de maison antique. C'est là que les cœurs des musulmans de par le monde cherchent refuge. C'est vers elle que s'orientent les fronts et les cœurs en toute humilité et soumission vis-à-vis d'Allah, 5 fois par jour. C'est vers elle que vient le musulman de tout chemin éloigné afin d'accomplir leur rite. C'est autour d'elle qu'ils font le tawaf depuis le jour où Ibrahim, paix sur lui, l'a bâti par obéissance à l'ordre de son Seigneur. Ainsi les musulmans se plient à leur tour à l'ordre d'Allah de faire le pèlerinage à cette maison, laquelle fut la première à être édifiée pour que les gens y adorent Allah, à la lumière d'une guidance et d'une foi dépouillée de toute fausse croyance et de toute conception. Allah exalté soit-il, voulut que la lumière de l'islam voie le jour, il envoya le dernier de ses prophètes, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avec la religion de vérité, et ce afin de la faire triompher sur toute autre religion, de montrer aux gens l'ignorance et l'égarement auxquels ils avaient succombé, et de leur élucider la vérité du culte d'Allah, en raison de laquelle il créa aussi bien les humains que les djinns. Il fut dûment constaté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « L'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, la pratique de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le jeûne du ramadan, l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. » Le hajj est donc l'un des piliers de l'islam. Un musulman qui a les moyens d'accomplir le hajj n'aura la foi parachevée que s'il l'accomplit. Le hajj est le 5e pilier de l'islam. Il est obligatoire pour tout musulman pubère, sain d'esprit et libre, une seule fois au cours de sa vie, à condition qu'il soit capable de l'accomplir aussi bien au niveau financier que sanitaire. En effet, des millions de pèlerins affluent vers les terres saintes afin d'accomplir ces rites, ayant foi en l'éminence du statut de cette obligation religieuse et en l'importance de fournir des meilleurs services à quiconque vient s'acquitter de cette obligation. Le gouvernement du serviteur des 2 saintes mosquées, le roi Abdallah ibn Abdelaziz, a mis en œuvre tous ses moyens matériels et humains et a orienté tous ses ministères vers le service de hôte de Rahman Allah afin de leur assurer le confort et la sécurité dès leur arrivée sur les territoires saoudiens et jusqu'à leur retour dans leur pays, entourés de la protection d'Allah, exalté soit-il. Vous allez réaliser, chers frères, que nombre de projets, de services et de programmes diversifiés furent élaborés et mis à votre disposition afin de vous assurer confort, sécurité et bien-être. N'hésitez pas alors à en profiter. Vous êtes le bienvenu, cher hôte, au sein du pays des 2 saintes mosquées. فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Il existe trois types de Hajj, connus sous le nom de Nosuk. Chacun se distingue par une qualité et des obligations qui doivent impérativement être remplies pour que le Hajj soit valable. Ces trois Nosuk sont At-Tamatta, Al-Qiran, Al-Ifrad. Le meilleur de ces trois types étant le Tamatta, qui s'effectue en entrant en état de Ihram avec l'intention d'accomplir une Umrah lors des mois du Hajj. Ensuite, en achevant le tawaf, le sa'i et le raccourcissement des cheveux, le pèlerin quitte ainsi l'état de l'ihram. Or, le huitième jour du mois de Dhul-Hijjah, il entame encore une fois l'ihram dans l'intention du hajj cette fois, à partir du lieu où il se trouve à ce moment-là. Il se dirige ensuite vers les lieux saints et accomplit le hajj. Il est tenu de faire un sacrifice ou, s'il n'en a pas les moyens, de jeûner trois jours au cours du hajj et cette autre une fois rentré chez lui. Quant au hajj du type Qiran, il consiste à entamer le ihram en combinant les deux intentions du hajj et de la umra ensemble, en se disant « Labbaika umratan hajjan ». Une fois arrivé à la Mecque, le pèlerin doit accomplir le tawaf al-qudum ainsi que le sa'i du hajj et de la umra, et ce tout en préservant son ihram sans jamais se désacraliser. Le huitième jour, il se dirige vers les lieux saints, s'acquit des autres rites formés des deux rites distincts, à savoir le hajj et la umra. Il doit offrir un sacrifice, et si, faute de moyens, il n'y parvient pas, il devra jeûner trois jours au cours du hajj et sept autres une fois rentré chez lui. Reste le hajj du type Ifrad, lequel consiste à entrer en état de ihram avec l'unique intention d'accomplir le hajj. Arrivé à la Mecque, le pèlerin accomplit le tawaf, le sa'i et préserve son état de ihram jusqu'à la fin des rites. Il ne lui incombe pas de faire un sacrifice car il n'a pas combiné la umra au hajj. Le meilleur de ces types de hajj est le tamatta suivi du qiran puis enfin le ifrad. Chers frères, si vous comptez voyager à la Mecque, afin d'accomplir les rites du hajj et de la umra, il vous sera impératif d'entrer en état de ihram à partir d'un des miqat que le prophète, paix et bénédiction sur lui, détermina à savoir. Dhul-Hulaifa, le miqat des habitants de Médine connu aussi sous le nom de Abyar Ali. Al-Juhfa, le miqat des habitants du Sham, il est situé à proximité de la ville Rabir. En effet, les gens entament aujourd'hui leur ihram à Rabir. Qarn al-Manazil, il est situé à Najd et aussi sous le nom de As-Sayl al-Kabir. Yalamlam, le miqat des habitants du Yémen, sachant qu'ils entrent en état d'ihram à partir des Saadiyya. Dat-i-Arq, le miqat des habitants de l'Irak. Quant aux habitants de la Mecque, ils entament leur ihram pour le hajj à la Mecque même. Ceci dit, il incombe à quiconque passant par ces miqat dans l'intention d'accomplir le hajj ou la umra d'entamer l'ihram à partir du miqat correspondant à sa provenance. Or, celui qui dépasse intentionnellement son miqat sans entrer en état d'ihram doit impérativement y retourner et entamer son ihram. Sinon, il est tenu d'expier sa faute en sacrifiant une brebis à la Mecque et en distribuant sa chair aux pauvres. Si donc vous arrivez, chers frères, au miqat en voiture ou autre, prenez un bain, parfumez-vous, si possible, puis mettez les habits du ihram, à savoir un izar et un rida, deux pièces de tissu blanc sans couture, blanc et propre. Quant à la femme, elle est autorisée à revêtir les habits qu'elle souhaite, pourvu qu'elle ne se pare pas et qu'elle n'exhibe pas ses atours. Ensuite, formulez l'intention d'entrer en état d'ihram pour accomplir la umra. Or, si vous arrivez au miqat par voie maritime ou aérienne, le pilote ou le capitaine ont généralement l'habitude d'annoncer aux passagers qu'ils passent parallèlement au miqat afin de permettre aux pèlerins de porter les habits de ihram. D'ailleurs, il n'y a aucun inconvénient à ce que le pèlerin quitte sa maison vêtu des habits du ihram. Le cas échéant, il entamera la talbiya comme signe de son entrée en état d'ihram dès que le navire ou l'avion passera parallèlement au miqat. Notant que la talbiya se fait à haute voix par les hommes et non les femmes. Chers frères, lorsque vous prononcez la talbiya, soit pour accomplir la umra en disant « labbayka umra »,
soit pour le Hajj en disant Labbayka Hajjan, soit pour les deux à la fois en disant Labbayka Umratan wa Hajjan, vous avez ainsi entamé les rites et il vous est désormais prohibé de commettre toute action interdite lors de l'Ihram. À savoir, de se couper les cheveux ou les ongles, si vous en perdez involontairement quelques-uns, ou si vous en coupez par oubli ou par ignorance de cette interdiction, il n'y aura aucun inconvénient. De se parfumer le corps ou les vêtements, quant aux traces du parfum mis préalablement à votre entrée en état d'ihram, ceci n'est pas prohibé. De procéder à la chasse des animaux, soit en les tuant, soit en les poursuivant, soit en aidant autrui à les chasser. D'abattre les arbres ou de couper les plantes de la zone sacrée. D'ailleurs, ceci est prohibé aussi bien pour celui qui est en état d'ihram que pour celui qui ne l'est pas. De ramasser les objets trouvés dans la zone sacrée à moins que vous les annonciez. De demander une femme en mariage ou de conclure un contrat de mariage pour soi ou pour autrui. Est également prohibé tout rapport sexuel aussi bien que ses préliminaires s'ils sont accompagnés par un désir ardent d'accomplir l'acte sexuel. Pour la femme en état d'ihram, il est interdit de porter des gants ou de se voiler le visage, à moins qu'elle soit en présence d'hommes non mahram. Le cas échéant, il lui sera obligatoire de se voiler le visage comme si elle n'était pas en état d'ihram. De se couvrir la tête lors du ihram avec tout ce qui peut toucher la tête, mais il n'y a aucun inconvénient à ce que l'homme en état d'ihram se serve d'un parasol, sombrage sous le plafond du véhicule ou porte les bagages sur la tête. Même s'il se couvre la tête par oubli ou par ignorance de cette interdiction, qu'il ôte ce don et se couvrir la tête dès qu'il se rappelle ou dès qu'il apprend le jugement de la charia à cet égard. De porter une chemise ou tout vêtement cousu en général pour couvrir le corps, entièrement ou partiellement, tels les capes, les pantalons, les turbans et les chaussons, à moins que l'homme en état d'ihram ne trouve pas de hizar. Le cas échéant, il peut porter un pantalon. De même, s'il ne trouve pas de sandales, il peut alors porter des chaussons sans inconvénient. Il est permis à la personne en état d'ihram de mettre des sandales, de porter une bague, des lunettes, une montre, un sonotone, une ceinture et un porte-monnaie pour garder son argent et ses papiers. Il lui est permis également de changer les habits du ihram, de les nettoyer et de se laver la tête et le corps. Même si quelques cheveux tombent malgré lui ou encore s'il se blesse, il n'y aura aucun inconvénient. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'y a pas de prière particulière à accomplir pour entrer en état d'ihram. Mais il incombe aux pèlerins d'observer les obligations de sa religion, comme à titre d'exemple, le fait d'accomplir la prière collective au moment prescrit, d'éviter de commettre toute infraction à l'obéissance vis-à-vis d'Allah, exalté soit-il, tels les péchés, l'obscénité et les perversités auxquelles succombent d'autres musulmans égarés. Arrivé à la Mecque où se trouve la Kaaba, ou la maison antique d'Allah, il est préférable que celui qui est en état d'ihram prenne un bain dès son arrivée. En entrant à la Masjid al-Haram, le pèlerin entre par le pied droit en disant « A'udhu billahi al-azim, wa wajhi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytan al-rajim, Allahumma aftah li abwaab rahmatik ». En effet, il est préconisé de dire cette invocation en entrant dans toute mosquée en général. Ensuite, le pèlerin se dirige vers el-Kaaba afin d'entamer le tawaf. Selon la sunna, l'homme doit observer al-Itiba, c'est-à-dire le fait de laisser son épaule droite découverte et de s'envelopper de son rida, de sorte que le milieu de celui-ci passe par-dessous l'aisselle droite et de couvrir avec ses extrémités son épaule gauche. Ensuite, le pèlerin doit entamer le tawaf qui se compose de 7 parcours à commencer de la pierre noire. S'il parvient à y accéder, qu'il l'embrasse si possible sans jamais gêner les gens, ni en les poussant, ni en les bousculant, les insultant ou les frappant. Tout acte de la sorte serait une faute vu le préjudice qui en découle à l'égard des musulmans. Il suffit en l'occurrence de pointer vers la pierre noire de loin en disant « Allahu Akbar ». Ensuite, le pèlerin commence son tawaf en évoquant Allah, exalté soit-il, en implorant son pardon, en faisant les invocations qu'il désire ou en récitant le Coran, et ce sans jamais élever sa voix en faisant des invocations particulières, à l'exemple de certains, car ceci brouille les autres pèlerins. Une fois arrivé, cher pèlerin, au coin yéménite, touchez-le de votre main si possible, mais ne l'embrassez pas et ne vous frottez pas non plus contre lui, comme ceux qui, en le faisant, contreviennent à la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui. Si vous ne parvenez pas à toucher le coin yéménite, poursuivez votre parcours sans pointer vers lui ni prononcer le takbir.
Notons également que selon la sunna, il est préférable que le pèlerin dise, lorsqu'il se trouve entre le coin yéménite et la pierre noire, « Rabbana aatina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar ». Le pèlerin achève ainsi son tawaf de cette même manière jusqu'à ce qu'il termine sept parcours, commençant par la pierre noire avec chaque parcours et finissant par le retour à ce même point de départ. Selon la sunna, le pèlerin doit observer ar-ramal, c'est-à-dire le fait de marcher à pas rapides et rapprochés, et ce seulement lors des trois premiers parcours de tawaf al-qudum. Cependant, il existe des erreurs que certains pèlerins commettent lors de leur tawaf autour de la Kaaba, comme à titre d'exemple, le fait d'entrer dans le hijr d'Ismaïl lors du tawaf en croyant qu'il en fait partie. En effet, le tawaf à l'intérieur du hajj l'annule car ceci réduit le tawaf presque, étant donné que, le cas échéant, le pèlerin aurait limité son parcours à une partie de la Kaaba. De toucher tous les coins de la Kaaba et peut-être même ses murs, de les caresser, de se frotter contre sa housse, sa porte et Maqam Ibrahim, car tout ceci est prohibé et fait partie de béda ou innovations religieuses, lesquelles ne sont puisées dans aucune des sources de la Sharia et ne furent jamais entreprises par le prophète. D'élever la voix lors du tawaf car ceci dérange les autres, de se bousculer les uns des autres, notamment lorsque les femmes poussent les hommes devant la pierre noire et Maqam Ibrahim, un comportement qu'il faudrait absolument éviter. Une fois le tawaf terminé, vous pouvez recouvrir alors, cher pèlerin, votre épaule droite. Selon la sunna mu'akkada, il faut accomplir deux rak'ah derrière Maqam Ibrahim si possible, sinon vous pouvez les accomplir à n'importe quel lieu d'El Masjid al-Haram. Après Al-Fatiha, vous récitez la sourate d'El-Kafiroun au cours de la première rak'ah et la sourate d'El-Ikhlas au cours de la seconde. Cependant, il n'y a aucun inconvénient si vous récitez d'autres sourates. Ensuite, vous vous dirigez vers le monticule As-Safa pour accomplir le Sa'i qui se compose de sept parcours. Lorsque vous vous approchez de As-Safa, commencez par ce que Allah indique comme début dans le verset et récitez « Inna As-Safa wal Marwa min sha'air Allah, faman hajja al-bayta aw a'tamar, fala junaha alayhi an yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khayra, fa inna Allah shakirun alim ». Escaladez ensuite le monticule Safa en faisant face à la Kaaba, puis répétez à trois reprises Alhamdulillah, ensuite Allahu Akbar trois fois tout en levant les mains pour invoquer Allah. Vous répétez ensuite à trois reprises La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdahu. Et il n'y aura aucun inconvénient si vous répétez ce zikr moins que trois fois. Notons qu'il ne faut lever les mains qu'en faisant les invocations et qu'il ne faut pas pointer avec les mains lors du takbir, ceci est en effet une des erreurs communes chez nombre de pèlerins. Ensuite, le pèlerin descend de Safa et se dirige vers le monticule d'El Marwa en marchant. Il se met à faire des invocations pour lui-même, pour sa famille, pour l'ensemble des musulmans, et ce jusqu'à ce qu'il arrive au signal vert, à partir duquel il commence à marcher plus vite. Notant que cette accélération s'applique uniquement aux hommes et non aux femmes. Une fois arrivé au second signal vert, il reprend la marche à la vitesse habituelle jusqu'à ce qu'il arrive à El Marwa. Là, il s'oriente vers la Kaaba et répète le dhikr, qu'il avait récité en escaladant As-Safa, suivi des invocations qu'il veut. Ensuite, il descend d'El Marwa, marche jusqu'au signal vert à partir duquel il commence à accélérer le pas en parcourant la distance entre ce signal et le second. Ensuite, il reprend sa vitesse normale jusqu'à ce qu'il escalade Safa et ainsi de suite. Au bout de sept parcours conformément à cette manière, le Sa'i sera ainsi achevé, sachant que l'allée de Safa vers El Marwa est comptée comme un seul parcours et le retour d'El Marwa vers Safa est compté comme un autre parcours. Notons qu'il n'y aura pas d'inconvénient si vous commencez votre sa'i en marchant et que, à cause de la fatigue ou de tout autre problème sanitaire éventuel, qu'Allah vous en préserve, vous poursuivez votre sa'i sur un véhicule. Il est autorisé à la femme en période de menstrue ou de loshi d'accomplir le sa'i sans faire le tawaf, étant donné que le lieu du sa'i ne fait pas partir d'El Masjid al-Haram. Notons parmi les erreurs fréquentes lors du sa'i, l'accélération des femmes en parcourant la distance entre les deux saignons verts.
Une fois le sa'i achevé, le pèlerin du type tamatta procède au raccourcissement de ses cheveux. Il lui incombe de raccourcir tous ses cheveux, contrairement à la femme qui, elle, raccourcit les siens de la longueur d'une phalangette. Ainsi, le pèlerin du type tamatta aura accompli sa umra et tout ce qui lui a été interdit durant l'état d'ihram lui deviendra désormais permis. Il est préconisé aux pèlerins de multiplier la talbiya au moment prescrit à cet égard, à savoir depuis l'ihram jusqu'au commencement du tawaf pour la umra, depuis l'ihram jusqu'au jet de Jamarat al-Aqaba le jour d'Aïd al-Adha. Il dira alors en arabe « Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wa ni'amata lak wal mulk, la sharika lak ». Le huitième jour de Zulhijja, le jour de Tarwiyah. Ce jour-là, les pèlerins se rendent à Mina en état d'ihram, quel que soit le type de leur pèlerinage, tamattu, qiran ou ifrad, observant ainsi la sunna du messager d'Allah, l'élu, paix et bénédiction sur lui. Il est préférable de se diriger vers Mina avant le temps du zawal, c'est-à-dire avant midi. Les pèlerins y accompliront alors les prières de Zuhr, de l'Asr, de l'Maghrib et de l'Aïcha et de l'Fajr, et ce en raccourcissant les prières composées de 4 raka sans les combiner ensemble. À cet égard, il n'existe aucune différence entre les habitants de la Mecque et les autres pèlerins. Selon la sunna, le pèlerin passe la nuit à Mina le jour de Tarwiyah. Une fois la prière d'El Fajr du 9e jour de Zulhijja accomplie, il faut attendre le lever du soleil puis entamer la marche vers Arafat dans un état de tranquillité et de sérénité, tout en répétant la talbiya et le takbir. Le 9e jour de Zulhijja, le jour d'Arafat. Ce jour solennel, le jour que le messager d'Allah qualifia du meilleur du jour. Les foules de pèlerins déferlent vers le mont Arafat et y stationnent depuis le lever du soleil jusqu'au crépuscule. Il est préconisé, selon la sunna, que le pèlerin fasse station à Namira si possible. Sinon, qu'il s'assure de stationner dans les limites d'Arafat. D'ailleurs, il existe des signes et des panneaux indiqués ces limites. En effet, toute la région d'Arafat est propre au stationnement. Ce jour éminent, tâchez, mon frère, de vous concentrer à répéter la talbiya et le dhikr, et de vous évertuer à faire des invocations en faveur de vous-même, de votre famille, de vos enfants et de l'ensemble de vos frères musulmans. Au moment de la prière d'El Zohr, l'imam prononce un serment destiné à rappeler les pèlerins et les exhorter et à les guider vers le droit chemin. Ensuite, il préside la prière d'El Zohr, puis celle d'El Asr, qui sera accomplie d'avance. Les deux prières seront alors raccourcies et accomplies à la même heure d'El Zohr, à l'instar du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, et ce sans accomplir de prière surérogatoire, ni entre les deux prières, ni avant elles. Il est conseillé d'éviter de commettre les erreurs qui risquent de vous faire perdre la rétribution et la récompense de ce jour éminent et de cette station honorable. Parmi les erreurs que commettent certains pèlerins, notons le fait de stationner à l'extérieur des limites d'Arafat et de demeurer là jusqu'au crépuscule et se diriger après vers Muzdalifa. De quitter la station d'Arafat avant le crépuscule, ce qui est absolument interdit, car cela va à l'encontre de ce que fit le prophète, paix et bénédiction sur lui. De se pousser et de se bousculer les uns les autres afin d'escalader le mont d'Arafat, arriver à son sommet, le toucher pour en tirer bénédiction et prier là-dessus. Ceci fait partie des bédas qui n'ont aucune origine dans la charia, outre bien entendu les inconvénients sanitaires et physiques qui en découlent. De faire face au monde d'Arafat en faisant les inconvocations alors que la sunna indique de faire face à la qibla. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله
عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Après le coucher du soleil du 9e jour de Zulhijja, les groupes de pèlerins se dirigent, protégés par la bénédiction d'Allah, vers Al-Mishar al-Haram ou Al-Muzdalifa pour y faire la prière d'El Maghrib et d'El Aïcha, lesquels seront alors raccourcis et accomplis ensemble dès l'arrivée à Muzdalifa, et ce après un seul Adhan et deux Iqama. Les pèlerins y passeront la nuit tout en répétant la Talbiya et en faisant les louanges à Allah, car il les a comblés de sa grâce et leur a accordé son bienfait de stationner sur le mont Arafat et assister à ce rassemblement solennel. Cependant, il s'avère impératif de solliciter votre attention sur certaines erreurs que les pèlerins commettent une fois arrivés à Muzdalifa, comme, entre autres, leur départ avant d'accomplir les prières raccourcies d'El Maghrib et l'Aïcha ensemble, et ce afin de se munir des djamarot ou cailloux, alors que la prière est prioritaire. Il croit qu'il est impératif de rassembler les djamarot de Muzdalifa, ce qui est en fait une erreur à ne pas commettre. En effet, selon la sunna, les pèlerins doivent passer la nuit, comme déjà mentionné, à Muzdalifa jusqu'à la prière d'El Fajr. Il est permis aux femmes, aux faibles et aux enfants de se diriger vers Mina dès la fin de la nuit. Une fois de la prière d'El Fajr accomplie, il est préférable pour le pèlerin de stationner à El Mishar al-Haram, un mont à Muzdalifa ou à n'importe quel endroit à Muzdalifa, de s'orienter vers la Qibla, de multiplier le dhikr, le takbir et les invocations autant que possible et enfin de chercher à se munir de cailloux pour loger des djamarot. Il doit rassembler 7 cailloux qui soient un peu plus grands qu'un pois chiche pour le rite du jet de djamarot al-Aqab al-Kubra. Il pourra rassembler le reste des cailloux de Mina et poursuivre ainsi son chemin vers Mina avant le lever du soleil avec la bénédiction d'Allah, tout en répétant la Talbiya en toute humilité et en multipliant le dhikr. Une fois arrivé à Mina, le pèlerin doit s'empresser d'aller à Jamarat al-Aqaba, situé à proximité de la Mecque. Là, il cessera alors de répéter la Talbiya et commencera à lancer sur Jamarat al-Aqaba 7 cailloux consécutifs en disant « Allahu Akbar » lors du jet de chaque caillou. Ensuite, il égorge une bête pour le sacrifice. S'il lui incombe de le faire, il en mange, il en donne à manger aux pauvres. Enfin, il doit se raser les cheveux ou bien les raccourcir. En fait, il est préférable de couper ses cheveux à l'aide du rasoir. Quant à la femme, elle raccourcit également ses cheveux, mais seulement de la mesure d'une phalangette. Cet itinéraire à suivre est le meilleur à cet égard. Cependant, il n'y a aucun inconvénient si certains de ces actes devancent d'autres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Les musulmans des quatre coins du monde, aussi bien que les pèlerins à Mina, en particulier accueillent tous les jours de Eid al-Adha avec un ravissement extrême, réjouis de la grâce dont Allah les a dotés et se souciant de s'approcher davantage d'Allah en égorgeant leurs bêtes. D'ailleurs, l'organisation et la gestion saoudienne de la viande des sacrifices fournit aux pèlerins une véritable aide à accomplir ce rite. Il est à noter que certains pèlerins commettent certaines erreurs lors du jet des djamarot, comme par exemple la croyance de certains qu'ils sont en train de lancer ces cailloux sur des démons, ce qui suscite leur colère et les pousse à insulter ceux-ci. Or, le jet des djamarot ne fut légiféré que pour évoquer Allah. Le jet de gros cailloux, de chaussures, de morceaux de bois pour lancer les djamarot, ce qui est une exagération dans la religion et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a interdite. Le fait de se bousculer et de lutter devant les djamarot pour accomplir le rite du jet des cailloux, ce qui est en fait une erreur fatale. Le pèlerin est tenu de faire preuve d'indulgence à l'égard de ses confrères et de chercher à jeter les djamarot dans le bon endroit de sorte que le caillou lancé tombe dans la circonférence de la djamara qu'il parvienne à frapper son poteau ou pas.
le jet de tous les cailloux ensemble, car le cas échéant, ceci sera considéré comme le jet d'un seul caillou. C'est que, selon la sunna, il faut lancer les cailloux l'un après l'autre en prononçant le takbir après le jet de chaque caillou. Une fois la jamara de l'aqaba lancée, les cheveux rasés ou raccourcis, le pèlerin a ainsi partiellement quitté l'état d'ihram. Il peut en l'occurrence mettre ses habits et tout ce qui lui était interdit devient désormais permis, exception faite du rapport sexuel avec son épouse. Enfin, le pèlerin se rend à la Mecque pour accomplir le tawaf d'el-Ifada, lequel est un pilier essentiel du hajj, en l'absence duquel le hajj ne sera pas accompli. Après ce tawaf, il entame le sa'i. Si son hajj est du type tamattu ou si son hajj est du type qiran ou ifrad, et qu'il n'avait pas encore accompli le sa'i lors de tawaf el-qudum. Le cas échéant, le pèlerin doit entamer le sa'i tout en sachant qu'il est permis d'ajourner le tawaf d'el-Ifada après l'écoulement des jours de Mena et le retour à la Mecque une fois le jet des cailloux achevé. Après le tawaf et l'ifada, le jour de Nahr, tout ce qui était interdit aux pèlerins redevient désormais permis, y compris le rapport sexuel avec l'épouse. Il retourne ensuite à Mina pour y passer les trois jours de Tashriq, à savoir la veille du 11, du 12 et du 13 de Zulhijja. Il peut même partir au bout de deux nuits seulement, tel que l'indique le verset. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Il incombe aux pèlerins de lancer les trois jamarat au cours des jours qu'ils passent à Mena, tout en observant le takbir à chaque jet de caillou. Selon la sunna, il est préconisé aux pèlerins de se tenir debout après le jet de la jamara sora et la jamara lusta, de faire face à la qibla, de lever les mains et de faire les invocations qu'ils désirent. Or, ceci ne s'applique pas au jet des cailloux de la jamara al-oula ou la jamara al-aqaba, suite auquel le pèlerin ne s'arrête pas pour faire des invocations. Quiconque désire partir au bout de deux jours seulement est alors tenu de jeter les trois jamarat le 12 de Zulhijja et de quitter Mena avant le coucher du soleil. Si le soleil se couche alors que le pèlerin est encore à Mena, il devra passer la veille du 13 de Zulhijja à Mena et achever le jet des jamarat le lendemain, c'est-à-dire le jour du 13, et ce à moins qu'il se soit déjà préparé à quitter tôt. Le cas échéant, il pourra partir sans passer la nuit à Mena. Avec le retour à la Mecque, encore une fois, pour faire le tawaf autour de la Kaaba, le séjour arrive à sa fin. Lorsque les délégations de pèlerins achèvent leur rite en observant tous les piliers, les devoirs et les obligations prescrits à cet égard, le tawaf d'El Wadaa est alors la dernière étape du Hajj, se pliant ainsi à l'ordre du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, qui dit à ce sujet « La yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhira ahdihi bil bayt » Le tawaf el-wada' est le dernier rite du hajj que le pèlerin doit observer juste avant de regagner son pays. Personne n'est exempt de ce rite, sauf la femme en période de menstrue ou de lochie. Médine est la visite de la mosquée du prophète. Nous nous rendons à Médine, la ville où le prophète, paix et bénédiction sur lui, immigra et fut enterré pour visiter sa mosquée, laquelle est une des trois mosquées indiquées dans son hadith où il dit « Ne partez pas en voyage pour visiter des mosquées, à l'exception de ces trois, la mosquée sacrée, ma mosquée que voici et la mosquée d'El-Aqsa. » En effet, bien que la visite de la mosquée du prophète ne fasse pas partie des conditions ou des obligations rituelles du hajj, ni que rien ne la lie au hajj et qu'elle ne nécessite pas d'être en état d'ihram, elle est permise, voire préférée, à n'importe quel moment de l'année. Étant donné qu'Allah a facilité aux pèlerins d'avoir accès au pays abritant les deux saintes mosquées, il est préconisé, selon la sunna, de visiter Médine afin d'accomplir la prière dans la mosquée du prophète. Une prière qui vaut mieux que 1000 prières dans toute autre mosquée, hormis Al-Masjid al-Haram, où la prière vaut mieux que 100 000 prières dans toute autre mosquée. Ensuite, le pèlerin peut saluer le messager d'Allah,
paix et bénédiction sur lui. Une fois arrivé chez visiteurs à la mosquée du prophète, entrez d'abord du pied droit, commencez par la basmala et la prière pour le prophète, paix et bénédiction sur lui, puis implorez Allah de vous ouvrir les portes de sa miséricorde en disant « Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulih, a'udu billahi al-azim wa ajihi al-karim wa sultanihi al-azim min ash-shaytan al-rajim, Allahumma ftah li abwab rahmatik. » D'ailleurs, il est également préconisé de dire cette invocation en entrant dans toute autre mosquée. Une fois entré à la mosquée, accomplissez les deux rak'ahs de la prière de la salutation de la mosquée. Il est préférable d'accomplir cette prière dans Ar-Radwa. Sinon, vous pouvez l'accomplir à n'importe quel endroit dans la mosquée. Ensuite, dirigez-vous, chers visiteurs, vers le tombeau du prophète, paix et bénédiction sur lui. Tenez-vous debout devant lui et commencez par cette salutation en disant avec bienséance et à mi-voix « Assalamu alayka ayyuha al-Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atihi al-wasilata wal-fadila wa ba'athu Allah al-maqam al-mahmoud al-ladhi wa'attah. Allahumma ajzihi an ummatih afdala jaza. » Ensuite, tournez-vous un peu vers la droite pour vous tenir devant le tombeau de Abu Bakr al-Siddiq, saluez-le et implorez Allah de lui accorder sa miséricorde, son pardon et son agrément. Enfin, déplacez-vous un peu plus vers la droite pour vous tenir devant le tombeau de Omar. De même, saluez-le et implorez Allah de lui accorder sa miséricorde, son pardon et son agrément. À ce sujet, rappelons que certains visiteurs de la mosquée du prophète commettent des erreurs jugées en fait comme bédah, qui n'ont aucune origine dans la charia, ni furent-elles rapportées par aucun des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, notant, à titre d'exemple parmi ces actes, le fait de se frotter contre la fenêtre de la chambre et les coins de la mosquée, et de faire face au tombeau en faisant les invocations, alors que c'est vers la Qibla qu'il faut se diriger lors des invocations. Selon la Sunna, il vous est conseillé de visiter les tombeaux des gens de Al-Baqiyah, où furent ensevelis nombre de compagnons, entre autres le troisième calife Othman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui. Il vous est préconisé également de visiter les tombeaux des martyrs de la bataille Uhud et entre autres celle du maître des martyrs Hamza ibn Abdel Muttalib. Saluez-les et sollicitez Allah en leur faveur, à l'instar du prophète qui a appris à ses compagnons de dire lors de la visite des tombes « Assalamu alaykum ahla diyar min al-mu'minin wal-muslimin » Wa insha Allah inna bikum lahiqun nas'al Allah lana wa lakum al-afiyah. Étant donné que vous êtes à Médine, chers visiteurs, il est préférable alors, selon la sunna, que vous vous purifiez pour visiter la mosquée de Quba, la première mosquée en islam, suivant ainsi le prophète qui incita à faire la prière dans cette mosquée. En effet, il n'existe pas à Médine de mosquée ni de lieu dont la visite est préconisée à part ceci. À quoi bon faire l'effort et supporter le fardeau de se déplacer ici et là pour faire des visites qui ne seront pas récompensées? Finalement, lorsque le pèlerin regagne son pays, il doit se rappeler des rites du Hajj qu'il a accomplis. À chaque fois où il se sent tenté par un péché, qu'il se rappelle de son stationnement à Arafah, de son tawaf autour de la Kaaba, de dhikr Allah, dans les différents lieux sacrés du Hajj. Tout ceci l'aidera à se prémunir contre les péchés. Je prie Allah, le Très-Haut, de nous octroyer tous un Hajj pieusement accompli, d'absoudre nos péchés et d'agréer nos efforts. Chers frères, vous êtes le bienvenu comme hôte au sein du pays des deux saintes mosquées, le royaume d'Arabie Saoudite. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.